Ça te dit un petit café? Coucou les amis, Fahyu, ça te dit Fei Chang Chang Yong, Nimen Bishu Ça te dit est utilisé pour poser une question. Ça signifie est-ce que tu veux? Est-ce que tu as envie de? Ça te dit plus un nom. Ça te dit un peu de fromage? Donc quand on parle rapidement, on prononce ça dit. Ça dit un petit verre de vin? On utilise principalement ça te dit de plus infinitif. Ça te dit de manger une fondue chinoise ce soir? On peut aussi utiliser le conditionnel pour adoucir la question. Ça te dirait d'aller au cinéma? On peut aussi mettre ça te dit à la fin pour demander est-ce que tu es intéressé? Par exemple, j'aimerais bien visiter Strasbourg ce week-end. Ça te dit? À cette question, vous pouvez simplement répondre oui, non. Mais de manière naturelle, les Français vont répondre oui, ça me dit bien. Non, ça ne me dit pas trop. On peut ajouter si, si ça te dit. C'est une manière de proposer une idée, mais sans réellement poser une question. Par exemple, tu peux venir dîner chez moi si ça te dit. Donc quand je dis ça, j'indique à la personne qu'il n'y a pas de stress, elle peut refuser. Si ça te dit, on peut aller se promener aujourd'hui. Je peux vous déposer à la gare. Si ça vous dit, bien sûr. On peut même utiliser ça te dit que plus subjonctif. Ça te dit qu'on aille visiter le Louvre ou alors je fais du sport, je dis à mon ami, ça te dit qu'on fasse une pause. Si ça vous dit, vous pouvez laisser un commentaire. Je vous dis à bientôt, ciao tout le monde.